Salut Pepeboy, bon mercredi, c'est Sid. Le topic de cette semaine, c'est est-ce qu'on considère avoir une chirurgie du bas? Puis si oui, quelle procédure? Moi, personnellement, j'ai pas extrêmement de la dysphorie du bas. Je veux dire, comme, je suis à l'aise avec mes parties génitales que j'ai en ce moment. C'est sûr que généralement, je suis assez jaloux de ce que les gossisses ont entre les jambes. Fait que c'est plus l'idée d'avoir un pénis que j'aimerais, mais en même temps, je suis pas comme mal à l'aise d'avoir ce que j'ai en bas. Je suis comme vraiment à l'aise en fait. Fait que pour moi, une procédure idéale, ce serait peut-être de pouvoir avoir l'équivalent d'un pénis. Donc la phalloplastie, c'est pas une option parce que c'est pas assez comme avancé comme technologie, genre. Fait que si j'aurais un choix obligatoire entre les deux, j'irais plus pour une méto parce que c'est dans ma tête plus proche un peu de ce que ça pourrait être. Puis ben, je suis plus à l'aise avec cette chirurgie-là que de me faire couper à moitié de ma peau de bras juste pour avoir un gros saucisson dans mes pantalons qui a pas l'air vraiment d'un pénis. À mon avis, c'est ce que j'ai comme avis, là. Fait que c'est pas mal la méthioplastie que je préfère avoir. Ça a l'air un peu plus naturel et organique, à mon avis. Je voulais juste rajouter, dans le fond, ça va être possiblement ma dernière vidéo pour Pepe Boy. Pendant un petit bout. J'ai beaucoup de choses qui se passent en ce moment, fait que j'ai vraiment pas la tête à continuer à faire ça de façon régulière. Je vais peut-être plus faire de temps en temps une vidéo sur mon propre channel, juste pour comme faire des updates pour moi-même, pour documenter ce qui se passe. Mais sinon, j'ai comme plus vraiment de motivation pour l'instant. Fait que je préfère laisser ça comme vous voyez. Je suis pas capable de faire des vidéos qui durent plus longtemps que genre 5 ou que 1 minute ou 2, là, fait que c'est comme vraiment pas plaisant pour personne, je pense. Fait que c'est pas mal ça. Peace out, Pepe Boy, et à la prochaine.